Bonjour à tous, c'est Spider Tough et Paul Chacantis. Et on est les Brothers Gamers. Oh yeah. C'est titré La Fureur du Lapin Mort. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de L.I.A. La Fureur du Lapin Mort pour ce Halloween Show. Palabala, pam, pam. Allez, on commence. Palabala, pam, pam. Voilà. Cet effet audio était du plus bel effet, je crois. C'est clair. On avait tous cru qu'on était mort-vivant, ça. Oui, qu'on avait les recollets sous le front, et non. Et voilà. Alors, on se retrouve donc aujourd'hui pour ce jeu délirant qu'on a choisi pour ce Halloween Show. Hein, vous allez sûrement voir avec les autres membres de la CTF d'autres vidéos autour des morts-vivants, des zombies ouais, et tout. Voilà, des trucs. Et nous, on a choisi un lapin mort. Bon, bah écoutez. Hein, vous savez, les trucs entre sur le bord de la route, un an. Oui, moi, je suis déjà à mon 20e depuis le début de l'année. Ah ouais, j'en ai 8 heures le jour. Record, 20 lapins tués. Et donc, on va y aller. On va tout de suite plonger dans ce Hell Yeah. Ça va être un petit peu une vidéo aussi découverte pour nous parce qu'on a fait... que le premier niveau, enfin, ouais. J'ai fait enfin, que le premier niveau. Tu as fait, parce que moi, le temps que je télécharge avec ma connexion mousse... Oui, c'est clair, tu devais tester aussi le premier niveau, puis en fait, tu l'as juste téléchargé 200, pendant 3 jours. Ouais, 280 minutes, j'ai fait, ok, d'accord, bon, bah, on verra ça plus tard. Et donc, vous allez voir que c'est bien délire et que ça colle bien à Halloween, je pense. Bon, alors, les temps de chargement sont un peu longs entre les niveaux. Mais après, les niveaux, quand on est dans le niveau, ça, ils sont assez longs et tout, donc ça pose pas trop de soucis. Ça envoie du pâté. Conseil pas super utile, déjà, ça c'est mon humour. C'est complètement à l'envers. Vous allez voir, il y a plein de... C'est bourré d'humour, de clins d'œil aussi dans les ennemis à abattre et tout, dans leur nom ou alors dans leur aspect, vous allez voir ça. Et aussi, ça nous replonge un peu dans notre enfance, parce que c'est un peu un jeu arcade, plateforme, comme quand on était petit. Cool. Comme quand il était tout petit. Avec plus de sang. De oui, boyaux avec et tout. Sang, ouais, voilà. D'ailleurs, je vais faire jouer à mon fils. Je ne sais. Papa, pourquoi il y a... Non, mon Dieu. Ouais, voilà, on est direct, alors. On voit tout de suite les graphismes bien pétants et tout. On dirait une fille qui sert à gnagnant en haut. Oui, et bah voilà. Alors, un petit bain de sang, là, pour... En fait, là, c'est pour se redonner de sa vie. Alors, voilà, on vient ici, qu'on n'a plus de vie. Ça nous redonne de la vie. Et le but, bah, c'est de... C'est très simple, c'est de buter tout ce qui est à l'écran. Excellent. Y a rien de plus simple. Alors, on est équipé d'une roue hein, qu'on n'a pas dans le premier... tout de suite dans le premier niveau, mais pas très longtemps après le début du premier niveau non plus. Et du coup, bah, ça va être notre arme, plus les autres armes qu'on va ramasser, genre là, ce gros shotgun avec lequel je tire comme ça, voilà. Voilà, cette mitraillette, un shotgun, non? Ah, j'adore le design, j'adore les couleurs et tout, ça c'est... Et avec L2, énorme. Avec R2, pardon, on fore avec la scie, là. Et ça sert un peu de jetpack aussi. Jetpack. Ça commence. S'envoie des pattes. De jetpack de lapin, même, je dirais. Oh, qu'est-ce qu'on rigole devant ce Halloween show. Le zombie. Et ça sert aussi de jetpack, hein, parce que si on reste appuyé sur X, hop là, on peut voler. Et donc parcourir comme ça tout le niveau. Putain, on dirait de la merde. Il n'y a pas de wall jump, hein, ou alors je l'ai pas encore débloqué, on va voir ça. Bon allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Oula. Avec ces... Oula. D'accord. Ah oui, on rentre direct dans le vif. Ça commence, ok, donc je pense qu'il va falloir... Ah putain, stylé en fait le design. Il va falloir naviguer entre les scies là et se servir de la... De leur force. Oh, ah non, d'accord, yeah, il y avait une plateforme, j'avais pas vu. Bon allez, on est reparti. C'est pire que Limbo, hein. Oh mon dieu. Ah, vous avez oublié. Non, mais c'est du die and try, en fait. Ah, voilà, elle est là, la plateforme, je l'avais pas vue, gros fail. Ouais, parce qu'en fait, tu voulais direct envoyer voilà, du pâté, non, de courir et tout, faire ton... Ah ouais, et puis du coup, là... Ah, ça me... Alors, lui, c'est bon. Alors, vous allez voir le design aussi des ennemis, hein, c'est assez fun. Alors, j'ai vu sur... Oh là, là. Oh putain, merde, t'es con, mais j'ai reculé. Eh ben, dis donc. Mais c'est on veut pas faire Super Meat Boy, nous. Ah, je vois que monsieur a l'habitude d'écraser les lapins, il veut tous les faire crever. J'ai dit que j'étais déjà à mon 20e, c'est ça, donc oui. Là, ça fait que 3 fois que je suis mort, donc c'est bon. J'ai encore de la marge. Cool. Allez, plateforme, hop là. Excellent. Nous, faut qu'on... T'es tout excité, défoie, moi, là. Ouais, non, mais j'ai envie de voir les gros ennemis et tout pour vous montrer vraiment... Oui, il y a été. Ah ouais, alors par putain, contre, c'est chaud, en fait, c'est chaud. Gérer ouais, le... Tu slides, en fait, sur les plateformes, on dirait. Non, mais voilà, je vais pas bouger, et puis c'est tout. Ouh là, chaud. Moi, oh, purnaise. Eh putain, ça a l'air hard quand même. Ouais, il y a un peu. Bah là, par rapport au premier niveau, ça commence à mais je dis augmenter en difficulté. Et c'est ça qui est bon aussi. Hein.
Excellent. Moi, j'intéresse de rester comme ça. Voilà, ouais. Je vais pas bouger. Hop là, je vais bouger. Excellent. Ici. Et on va essayer de trouver de... Alors, on peut faire un petit dézoom aussi pour voir où est-ce qu'on peut aller. Excellent. Alors là, on voit qu'il y a la porte qui à droite est bloquée parce qu'il faudra qu'on passe là avant, mais il faut tuer encore deux boss. D'accord. Pour pouvoir la débloquer. Donc les boss, ils sont un peu situés un peu partout dans le... Dans le niveau, je sais pas si on en voit. Putain, un ça là. Fait penser à Sonic. Rien qu'avec la, je sais pas, la roue qui tourne et tout. Ouais, bah il y a plein de petits clins d'œil comme ça au jeu de plateforme. Hein. Donc il y a forcément, ça peut faire penser aussi un peu au niveau de Sonic. Alors là, on va essayer d'éviter les. Ouais, parce que, enfin, je sais pas, rien que le truc qui tourne. Voilà, oh bah, putain, voilà, la vache, voilà. Des obus de. Des suppos, cool, j'ai envie de dire. En fait. C'est des suppos d'Halloween. On aurait dû mieux préparer la vidéo parce qu'on se lance un peu à corps perdu là-dedans. Hein, c'est bon. Oula, ah bah voilà, il y a un boss. Bra. Alors vous allez voir la particularité. Oh merde, la particularité des boss aussi, c'est. Wouh, je sais pas comment j'ai fait. Ouais, aïe, aïe. Là, je sais comment j'ai fait, mais. Ouais, à mon avis, tu vas te prendre une autre salve. Aïe, aïe, aïe. Oh, putain, fiche. Oh, casse-toi. Non, ouais, laisse tomber là. Je suis mal barré. Et on recommence où ça va, les checkpoints sont pas trop loin. Oui, la particularité des boss aussi, et ce qui est vachement drôle, c'est les finish moves. Qui sont, pour l'instant, qui diffèrent à chaque fois. Bah, moi, du moins de ce que j'ai eu dans le premier niveau, à chaque fois j'ai eu un. Tu vas nous le montrer. Un finish move différent. Et qui sont en rapport, qui font des clins d'œil aussi aux jeux vidéo. Vas-y, reste là, limite. Ouais. Attends, ouais, saute. Oh putain. Putain, ouais, en fait, faut que et je saute. T'as senti ce qu'elle se régénère au fur et à mesure, non? Attends, putain, tu la presses. Oh non, pourquoi je suis passé par là? Bon, on va attendre un peu. Ah, question jolie, les failles de mon pays. Ah, c'est clair. Attends, je regarde où il tombe et tout. Attends, ouais. Non, mais pourquoi j'ai sauté? Avez-vous peur? Ah oui, là, vous avez peur de... du skill de Spider. Ça vous fait peur, hein. Excellent. Bah, je dis ça, je suis pas mieux dans ce genre de jeu, parce que c'est trop hard, je trouve. Hop là, ouais, et puis... Ah non, mais ça fait d'ailleurs, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué à des jeux comme ça. Ouais. La dernière fois que j'ai joué à des jeux comme ça, c'était justement quand on a fait les vidéos de Sonic. Ah putain. Attends, ouh, oui. Chaud. Non, ouais. C'est bon. Ah ouais. Bah j'ai rien comme dit dans la série. Ouais, non, mais tu vas. Eh, hey, t'étais resté. T'arrives ouais, pas à le train, que... non? Non, c'est parce que j'avais sauté sur lui, puis j'étais en train de lui forer la gueule. Ah d'accord. Je lui forais la gueule. Ouais. Ah, fais chier, putain. Ça va être super chaud, fait à passer. Mais vous allez voir que ça en fait. Bon, ah voilà, bon, la vidéo est finie. On se retrouve demain avec Stupid Aldo. Pour sa vidéo et. Excellent. Bon, cool. On va essayer de la voir quand même. Hein. On va la voir, c'est en furie de merde. En fait, c'est une vidéo découverte, défi et Halloween show. Oui, et fail show. Ah bon, show. Attends, on va rester là. Ah voilà. Toujours dans ce petit jeu, trouver le petit vas-y, coin ouais. Où bien se planquer. Alors putain, par contre, faut pas que je reste en dessous parce que. Non. Limite, ouais, tu lui fourres. Et en fait, voilà, tu lui fourres la gueule et tu retournes à droite, touche, non ouais, tu la presses. Ah, fiché, à chaque fois, je me fais avoir dans ce trou là. Attends, on va aller. Merde. Holy shit. On va voir si ma technique marche, là, d'aller dans le petit coin là en bas à droite. Excellent. Bah là, déjà, non. Voilà. Ici, là. Ah putain, non, bah ça marche plus. C'était un coup de chat en fait. Excellent. Super chaud en fait ce boss là. Ouais non mais moi je prends pas la manette. En fait quand j'ai fait le premier niveau j'ai fait oh bah ça devrait passer pour faire une vidéo sur le deuxième niveau. Excellent. C'est pas encore trop dur. Et puis là, en fait je suis en train non de ça envoie du pâté. Ah merde attends je vais essayer d'aller sur la droite sur la gauche là-bas la plateforme je vais voir si c'est pas mieux. C'est marrant parce que quand tu meurs ça me fait penser à un jeu Mad Men non c'est pas ça sur Wii en noir et blanc. Ah je sais pas, ça me fait penser à ça. Mad World voilà. Mad Men. Oh, bien joué là. Oh, ouais. Il y avait du potentiel. Oh, t'es comme ça. Ouais, vas-y. Je vais skiller à mort. Moi, je pense. Ouf. Ah non, j'y étais. À chaque fois, je suis à 5. Ouais. Oui, c'est le genre de jeu où tu dois changer de manette très souvent. Oui. Il faut pas que les enfants traînent dans le coin quand tu y joues, justement. Papa, est-ce que tu peux me. Package. Et un gosse en moi. Mais c'est chaud d'aller à gauche. Ah non, c'est fermé, il y a un truc. D'accord. Non, c'est fermé, tu peux pas y aller. À moins que. Chier, putain, ça enlève pas mal de vie ça. Ça y est, allez. On va dire que là c'est bon. Vas-y. On va dire que là je gagne, hein, les gars. C'est voilà. Bon. Voilà. Attends, au nez. C'est quoi ce truc? Mon dodo dans le trou-trou. Voilà, tu mets ton petit doigt dans le trou-trou et t'as. Ah, oh, c'est hardcore. Excellent. Mon doigt dans le trou et t'en. Boum. Excellent.
Il y a un essaim d'abeilles mutantes. On dirait un vin, je sais pas pourquoi. Non, mais il y a plein. Il y a plein d'allusions comme ça, on aurait dit un vagin d'une femme de 90 ans. Hardcore. Ces gros nains d'insectes ont des armures en métal, pas mal. On peut pas forcer, on peut shooter. C'est cool d'être le prince. On peut pas fourrer, hein. Pourquoi j'ai dit forcer? Je pensais que t'allais dire fourrer. On peut pas fourrer aussi, ouais. Excellent. Les Brothers Gamers ne savent pas lire. Excellent. Donc, on peut pas leur fourrer la gueule, faut juste leur tirer dessus. Ça a l'air hardcore la maniabilité, j'ai l'impression que c'est. T'as l'impression d'avoir une sorte de skate ou je sais pas. En fait, c'est vachement sensible la roue là, métallique, parce que dès que tu bouges un peu, hop là, ça part dans l'autre sens. Putain, donc là, par contre, faut fourrer ici. Voilà. On peut fourrer vers le haut aussi pour récupérer la thune et s'acheter. Ouais. Au premier abord, on pourrait que ça. Armes. Bon là ça va, les petits ennemis sont pas trop durs. Oui c'est clair que ça fait penser hein, les petits bras et tout ça au niveau de Sonic. Allez, on va les prendre. L'usine à... C'était pas Robotnik ou un truc comme ça? Oui voilà, ouais. Excellent. Allez, le petit ragna... le petit douche de Ragnagna qui redonne de la Ragnagna, vie. Ragnagna. Excellent. Et c'est moche d'être seul pour son année. Claptrap. En avance. Oui c'est clair, je vais trouver un bon gros gâteau. Oui c'est Claptrap ça ou quoi? Oui, allez, j'étais triste. Il y a deux moments tristes dans Borderlands, je vais spoiler. Non, le moment où tu finis le jeu, et encore non, parce que le jeu n'est pas vraiment fini, parce que... Oh non, y a des grosses surprises à la fin. Ah ouais, non, c'est énorme. Et donc, quel moment? Le moment de la Nive? La Nive à Claptrap et Mordecai. Attention, spoil, quand son... L'oiseau, merde, je sais plus comment il s'appelle, bah il claque. J'étais là. Sanguine. Sanguine, voilà. Et j'étais là, non! Et voilà, tu as spoilé la gueule à tout le monde. Mais non, j'ai dit spoil, ils peuvent avancer de 3 secondes. Voilà, donc c'est bon. Bon bah... Tu l'as buté. On l'a tué. On l'a essayé d'attraper le lapin, donc pas comme ça. Excellent. Et j'ai loupé, non. Et tu meurs? Ah non. Ah non, c'est bon. Attends. Voilà. Excellent. Donc voilà, c'est plein de petits... Le bruit, la musique, on aurait dit téléachat. Oui, c'est ça. Oh non. Et voilà, donc c'était un boss en fait. Ouais. D'accord, c'était un boss. C'était un mini-boss plutôt, non? Non, bah c'était un boss, fallait juste trouver le moyen d'arriver à lui et le tuer. Putain, il était plus chaud celui qui était avant que celui-là. Enfin, je sais pas. Oui, bah je pense que c'est pas plus mal. Ah bah c'était pas mal en fait. Et puis t'as vu, c'est bien marrant quoi, les petits trucs. C'est clair. Je t'envoie un gros cadeau pour ton anniversaire, en fait, tu t'exploses la gueule. Ah, j'aime bien ce petit côté... Enfin, le petit côté hardcore. Et ouais, non, j'aime bien. Ouais, un petit peu de vie. C'est une bon. Une douche de sang et puis. Hein, franchement, les animations et tout, c'est bien fun. Et puis c'est fluide, quoi. Enfin, je sais pas. Ça lâche des. Comment dire, les couleurs pètent de partout et tout. T'as plein de petits détails. C'est vachement. Vachement beau. Bah, surtout là en HD, t'en prends plein les yeux. Ouais, c'est clair. Puis c'est bien fun. Ça me fait aussi penser à un autre jeu qu'on avait testé. Hop là. Oui, le. Awesome Note. Awesome Note, ouais. Un peu dans le même esprit et tout. C'est clair. D'ailleurs, je trouve que c'est Awesome Note mixé avec le Chainsaw Lollipop, avec, ouais, avec Sonic, avec tout. C'est un peu tout, là. Ouais, j'ai l'impression. On peut prendre plein de références, oui. Mais c'est ça qui est bon aussi, c'est que... Oula. Ça fait penser à plein d'autres jeux, puis je pense que ça a aussi un petit travail de fanboy hein, qu'ils ont fait aussi. Ah oui, c'est clair. Je crois que c'est un studio français, en plus. Excellent. Voilà, ça c'est bon. Voilà, pour l'instant, il n'y a plus de difficulté. Attends, on va juste regarder en arrière. Ah, il y a un truc là que je pourrais récupérer, mais je pense pas que ma foreuse puisse. Ça là? Ouais, non, tu vois, je peux pas. Putain, excellent, c'est quoi? C'est un costume? Ouais, c'est des nouveaux costumes, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un trône, il y a un lapin avec. Je sais quoi, c'est des dates qui défilent ou je sais pas. Peut-être, ouais. Bon, ouais, écoute, oh là, par contre, là, j'ai intérêt à faire gaffe. Et de tirer ici. Voilà. Ouh, oh, aïe, aïe. Putain, j'ai pas pu éviter ça. C'est bon. Et du coup, tu récupères des points pour acheter des trucs ou c'est juste des points pour le scoring? Oh, ça peut être que pour le scoring. Bah, tu récupères aussi pour l'argent. Ça, c'est pour t'acheter des apparences, des armes et tout. Ah, d'accord. Alors, on n'a pas vu les magasins, je pense qu'on va en voir un après là. Ouais, on va en voir, et je pense. On va aller. Taille. On va aller tuer le super panda là. Wouhou! Voilà. C'est bon? C'est bon. Et, mais là, par contre, la porte est bloquée. Ouais, il faut une. T'étais 9 sur 10, voilà. Non, un truc comme ça. Oh là, super panda! Bah, limite sur Ezlo, regarde. Ouais. Oh putain, ouais, par putain, contre. Putain, mais il défonce bien lui aussi. Elle est où sa vie? Je vois.
Oh. Ah putain. Ah non, c'est quoi? C'est bon. C'est Azura Wars. Ah oui, c'est clair. Excellent. Ah, bah encore un finish move, vous voyez, pour l'instant, il n'y a que des finish moves. Il est bien en Fureur du Dragon. En Bruce Lee. T'as pas vu? C'est excellent. Si, excellent. Si, référence encore. Oh la vache. Eh, ça envoie lui péter, c'est bon ça. Bon, même pas trop dur. Alors, on va aller vite voir le monstre Dex. Hein, pour voir comment il s'appelle, c'est Vince Bernoski. Vince, comme notre contact. Party Bot, excellent. Party Boy, bien sûr. Hein. Oui. Bomber Bee. Ah, Bomber Bee. Bee comme dans Borderland. Chaud patate, voilà, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Wave, Dictor Car Wash. On ne connaît pas. Soupada Fly. Oui, la super grosse mouche. Mickey Coral, ouais, ok, Coral. King Surimi. N'importe quoi. Splatter Saw. Oh, une grosse merde avec une tronçonneuse. Excellent. Un des premiers boss. Et Poi Poi. Eh, c'est pas un jeu sur PlayStation 1, ça, Poi Poi? Ça me dit quelque chose. Ah, oh yeah. Alors, allons voir le truc super cool qu'on a débloqué. Tu as tué 10 monstres. Tu peux désormais visiter The Island. Un monde d'opportunités, surtout pour toi. Attends. Tu sais pas quoi faire des monstres morts? Fais-les travailler pour toi, ils vont adorer. Ah, j'ai plus le temps de dire la suite. De l'argent, des objets rares pour toi. Ouh, allez, viens, regarde tout ce que tu peux faire dans The Island. Ça me fait penser à Bob l'éponge, le dessin en bas à gauche. On dirait un monstre de Bob l'éponge. Oui, ça fait beaucoup penser à ça. Bah, surtout, bah, même le poulpe là, qui est en premier plan, ça fait un peu penser à. Au triton. Carlos? Ah merde, non. Non, parce que Carlos. Non, il Plankton. Non, Plankton. Comment il s'appelle? Ah oui, bah oui, Plankton, voilà. Oui, c'est Plankton en fait. Oui, c'est Plankton, voilà. Ils sont pas fichés. Allez, on va aller voir The Island, alors vite fait, comme ça on va découvrir en même temps qu'est-ce que c'est cette magnifique île. Mais c'est un film. Sur lequel on peut faire travailler les monstres. C'est un film où le mec il porte des Nike alors qu'il est. Ah par contre, j'espère que ça a sauvegardé le point en GT parce que je crois qu'on retourne. Ça va être un gros fail ça encore. Oh non! Conseil pas super utile. The Island. Excellent. Et voilà, bienvenue sur l'île ici. Vous verrez les monstres, tous les monstres que, disons, vous rencontrerez dans le jeu. Excellent. Alors les monstres sont des feignants, faites des travaux pour vous, ils peuvent même comme dans la faire vie. Des cadeaux. Bon bah on va rentrer, c'est tout ce qu'on veut. Pour l'instant on peut aller éclat, donc on va rentrer, on va voir si on peut faire travailler les monstres qu'on a tués pour l'instant. Excellent. Ah bah tiens, Plankton. Nestor, voici le vortex, vos monstres arrivent par là et attendent vos ordres. C'est l'Eldorado de Hell Yeah! Laissez-moi vous présenter Monsieur Tentacle. Oui, bah, Monsieur Plankton, hein. Monsieur Plankton. Il s'occupe de tous ces monstres à votre place, sympa, n'est-ce pas? Et le nuage, il fait penser au truc de Dragon Ball Z. Tu regardes le feuillage là-bas, je l'ai déjà vu dans Naruto. Et cette flaque, je l'ai vu dans mes chiottes. Donc, allez, vas-y, donc envoie-moi des monstres, donnez du travail, c'est bon, là. Après, ah oui, j'ai une petite main, qu'est-ce que tu fais avec cette main? Ah oui, ils sont là, les petits monstres. Attends, qu'est-ce que tu fais? Alors, scanner le monstre. Clique la merde, là. Alors, s'est fait écraser de sa vie, marcher dessus, splotch encore et encore, puis il a décidé de se défendre à l'aide d'une légère opération de chirurgie. N'importe quoi, oui, c'est... on marche souvent dans la merde, et avec une tronçonneuse, on marcherait plus dedans. Ouais, c'est sûr. Alors, on va lui donner du travail. Alors, pour qu'il me rapporte du fric, de la vie... Alors, et voilà, vous changez ici, la mine, des le manoir, le labo, le port, ah, de merveilleux endroits. Ça, des surprise. Alors, chaque zone vous offre un cadeau spécifique à utiliser dans le jeu principal. La mine confère de l'argent, le manoir, de la vie, le labo, offre de nouveaux objets dans le shop. Et le port apporte des surprises. Alors, veille les surprises. Attribuez les monstres zones à utiliser, ok. Une fois que... Ok, alors, joli monstre mignon, sale monstre triste. C'est quoi cette barre? On va lui faire faire à notre petite merde là. Port surprise. Ça t'apporte quoi? Des objets hein, là et puis là c'est quoi là? Ah non, c'est le labo. D'accord, objet. Alors là, ah oui, on assigne le nombre de monstres là. Genre j'en mets 10 pour qu'il me rapporte du fric. Ou alors j'en mets là et pour l'instant le labo est bloqué. Ah d'accord. Tu peux me prendre que c'est de là? Bon, on va mettre 5 et 5. Ouais, dans le fric voilà. 5 et 5 et puis voilà. Oui, de la vie. Voilà. Allez, bon, ok, voilà, allez travailler! Phineas! Ok, c'est parti, tout le monde sont là. Allez, vous pouvez quitter l'île, la tour mort, reviens vers là. Ok! Et vous désirez observer les monstres pendant qu'ils travaillent, pas de soucis, puis seront et admirer votre statue. Ok. Et ils sont où là? Ah merde! Alors là, du global, ok. Chose bien, chose se produit, de nouvelles zones sont en train de s'ouvrir. Cool. Cherchez les icônes nouveaux.
C'est super avec les Brothers Gamers, vous apprenez à lire aussi. Bon, allez, on lis comme monsieur Plankton. Ok, allez, on va aller voir les nouvelles zones vite fait. Nouveau, on les garde pour plus tard, on s'en fout en fait, là maintenant. En oui, fait, c'est clair. On nous a vendu du rêve là en nous disant c'est génial The Island, mais en fait il n'y a rien à faire, hein. C'est juste regarder les zones classées. Ça me rappelle de certaines vidéos de quelqu'un. Non, je ne sais. Ok, là c'est bon. On nous vend du rêve. On nous vend du rêve, on nous ment, on nous spolie. Excellent. Il balaie, lui. Il fout lui un dos dans le cul. Ok. Bon, allez, c'est bon, on va sortir. Alors, comment on quitte? Voilà. Moi, bah, c'est pour profiter, j'ai envie de dire de l'univers, quoi. C'est un petit plus bonus. Encore. C'est un bonus. C'est encore un bonus, bien dans l'esprit, ouais, du jeu, hein, qui est complètement délirant. C'est clair. On voit, hein, on bute les boss et après on les fait travailler pour nous, c'est l'esclavagisme. Ça devrait être à tout point. Voilà ce qui arrive quand on bute les lapins. Hein. Je devrais bien récupérer au bord de la route et. Vas-y, tu vas bosser pour moi. Je sais pas, je bute un lapin. Surtout, tu me réponds pas. Et tu me retournes du fric. Truc tout crevé avec des vers dedans. Oh oui. Bon, on voit, hein, les temps de chargement entre les niveaux et tout sont un peu. Un tantiel long. Non, c'est pas très long. Parce quand on joue à Mad Nation Racer. Oui, quand on a joué à Mad Nation Racer, après ça passe nickel. Hein. C'est clair. Par contre, je sais pas si on retourne au menu principal là ou si on retourne dans le jeu. Bon, on va bien voir. Hein. Sinon, on va se retaper encore un temps de chargement pour aller dans le jeu. Ah bah non, même c'est pas. Bon, bah voilà. Ah bah génial. Allez, nickel. C'est parti. Allez, on est reparti. Ah, what a game, quoi. Je pense qu'on va vous faire 10 heures de vidéo. Hein. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer de finir ce niveau. Bah d'ailleurs, peut-être qu'il est fini, on va juste vous montrer le niveau. Non, attends, oula. Zone 0. Nature Bound, Rabbit Industries. Oula, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas lu encore les affiches. Bon, ici, c'est bon. Là. Attends, je vais faire un. Ok, ici. Zoom, dézoom. Et là-haut. Il y a un boss, je suis sûr en haut. Là-haut. Vu la grosse zone. Ouais, il doit y avoir quelque chose qui va nous. Ah bah, d'accord. Là, il y en a un là déjà. Regarde-moi ce poltron cybernétique, un robot caché derrière un bouclier. Lui briser son poids faible sera d'autant plus agréable, ok. À mon avis, c'est quand il ouvre son truc, quoi. Tu lui balances des. Mais on vous a pas parlé aussi de l'histoire. Pourquoi? Il y a une histoire. Oui, il y a une histoire quand même. Il y a un mais prétexte. C'est un jeu arcade. Oui, il y a un prétexte à buter tous ces boss. Il y a une princesse à sauver, c'est ça? Non. En fait, on est le prince de l'enfer. Hein. Cool. Et on a pris la succession de notre père qui est mort. Parce que oui, ça arrive aussi en enfer. Oh putain, merde. On peut mourir, la preuve depuis tout à l'heure on fait que mourir nous. Et du coup une fois qu'on était à la tête de l'enfer, on a été pris en flagrant délit dans notre bain, en train de se toucher on va dire. Mais il est censé. Il s'est astiqué l'eau s'il a pu. Avec un petit canard, parce que notre vice caché c'est les petits canards en plastique. Et du coup on s'est retrouvé sur le web avec une centaine de vues sur l'article, et donc du coup on essaie de retrouver tous les monstres qui ont vu l'article et les buter pour qu'on oublie l'affaire, pour étouffer l'affaire. Excellent. Ah, c'est pas mal ça, comme histoire. Il est pas mal encore. Il va pas tarder, je pense. Oh putain, mais non. Oui, bah moi aussi. Mais elle est où sa barre de vie? J'ai pas vu. Mais si, pourtant j'avais vu tout à l'heure, et puis là d'un coup je la voyais plus, donc je sais pas. On va retourner, hein, c'est pas grave. On va aller se le faire. Laisse le faire, ces petits œils de merde. Bon, allez, ça on a compris. Allez, c'est bon. Tac. Attends, on va ramasser les points quand même, je sais pas trop à quoi ça sert, c'est pour le cage, d'accord. Ouais, c'est putain, compliqué. Par contre ces missiles vont lentement, mais ils font très. J'ai pas de vie en fait. Attends, balle. C'est le nombre de balles. Voilà. Oh là, attention. Quand on a joué à Azura Dwarf, on est très fort. Par contre, ça, ce finish move, je crois que j'ai déjà eu, hein, le truc de l'aiguille, donc là, ouais. Je reviens sur quelque chose que je connais. Voilà. On va aller voir comment il s'appelle, parce que j'ai pas vu tout à l'heure. Non, Eivador, excellent. Ouais, bon, bah, on va pas du tout. Bravo. Ouais, voilà. Bon, moi, j'aimerais bien faire une petite douche mensuelle. Excellent. Elle est où ma petite douche de sang là? C'est surtout où est-ce qu'il faut. Ah non, il faut peut-être que tu. Elles ont les gonzesses. Elles ont une les gonzesses. Oula. Oula la la la. Ouais, pas de traite droite. Attends, j'aurais dû aller à gauche, il y avait peut-être quelque chose. Hein. Non, encore un autre. Putain, mais j'ai pas de vie là. Voilà, ça va être chaud là. Ouais, je pense aussi, ouais. On va crever. Je suis sûr que la douche elle est pas loin. Non, bah non. Je vais prendre une douche de sang moi, quoi. Attends, allez, vas-y, refile-moi un tampon. Ah non, je peux pas leur forer la gueule à eux. Aïe, 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 ça fait mal. Ils ont une armure ou quoi? Je sais pas. Je vais essayer de leur forer la gueule. Voilà, c'est chaud, hein, quand même. Hein. C'est clair. Oh, génial. Oh, je t'ai coincé.
Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Excellent. Tu vas peut-être faire un glitch et tu vas revenir à la fin. Oui, on va faire un, mais ça se peut, hein, ce un speedrun. On va arriver au dernier niveau. Alors j'ai couru en arrière, j'ai sauté 3 fois. Je me suis foutu un doigt dans le cul. Bip. Excellent. Tu peux pas monter comme ça. Ah si, il y a une plateforme, nickel. Cool. Ah bah la vie doit pas être loin alors. C'est trop facile. Même pas. Non, putain, c'est pas. Même pas. Ah. C'est quoi ce bordel? Oh là, putain. Ah, il y a un truc à faire. Du coup, c'est ça. Pour débloquer là, si tu vois. Attends, on va voir s'il y a pas de la vie quelque part. Ah, voilà. Yeah. Nickel. Tu restes. Ton énigme. Voilà. Ah, ça fait du bien. Bonne douche de sang. Et puis la petite musique qui te relaxe. Et puis c'est un peu hardcore ce que j'ai appris, qu'il y avait une langue qui le léchait en même temps. Oui, allez. On va essayer de tuer ce dernier boss. Je pense que c'est le dernier boss du niveau, hein, parce qu'après je pense pas que ça continue. Et ben j'ai envie de dire, pour qu'une vidéo Halloween, il y a plein de sang partout, mais c'est excellent. Oh putain, si je pouvais, je pourrais. Oula. Il est où? Allez, il est là. Oh putain, il fait quoi? Il fait des disques de merde. Voilà, faut que j'essaie de viser quand. Un petit interstice là, c'est bon. Oh bah, il va pas être très dur. Non. Allez. Bim! C'est les 6 bim, bim. Oh génial, c'est quoi ça? Alors aujourd'hui, nous avons. Ça fait un peu ça quoi. Nous avons un sacré vibromasseur de sang. Alors qu'est-ce qu'il va se ramasser sur les gueules? Excellent. Le petit Space Invaders Rabbit là. Ouais, bah, il est mort. C'est excellent tous ces petits clins d'œil vidéo. Ouais, il y en a partout en fait. Des fois dans les jeux, tu te fais chier à trouver des Easter eggs partout, mais alors dans celui-là, il y en a toutes les minutes. Ouais, carrément. Du coup, j'ai ouvert ici, d'accord. Bah voilà, parfait. Voilà, nickel. Bon, on va essayer de pas fêler par contre les six là. Ah, t'es obligé de retourner. Oui, là, hop là. Ouais, okay. Là, c'est bon, je me laisse tomber. Hop là, ah, par contre, c'était par là, non? Merde, je sais plus. Zone D, zone B, c'est c'était à gauche, je crois. Ouais, non, ou à droite? Oh, je sais plus. Non, ça va être par là. C'est pas par là. Excellent. Ah, il y a un truc en bas, par contre. Bon sens de la passion. D'accord, bah, ça doit être plus haut, là. Donc on retourne sur nos pas. Ouh, moi, je trouve que c'est un... Par rapport qualité-prix et tout, c'est vachement bien. On va faire nos vendeurs. Oui, parce ça qu'on nous rappelle a déboursé, quelqu'un aussi. On a déboursé beaucoup pour ce jeu. Ah là là, quand c'est gratuit, hein. Et bon, c'est vrai qu'en PlayStation Plus, bah, il est gratuit. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est franchement, c'est valable. Mmh. Et je crois qu'il doit être à une dizaine d'euros pour les non-membres PlayStation Plus. Hein. C'est clair. Et je pense que ça vaut le coup aussi, hein. Non, mais il faut qu'on donne une note négative parce qu'on n'a pas été invité au développement du jeu. Non, je ne sais pas. On n'a pas été invité à la Paris Games Week, c'est quoi ça? On va pas y aller finalement. Non. Puis en plus, t'as vu tout l'argent qu'on a mis? Ah oui, attends, c'est bon, c'est un coup tout ça. D'ailleurs, on fait des vidéos sur YouTube, merde. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo qu'on fait. Après, on vend le micro, on vend. C'est clair, on vend tout et on va à la Paris Games Week. Wouhou! C'est bon. Hop là, moi je ramasse tous les trucs qui rugissent là. Oh, purnaise! Attends, ouais, il y a des trucs du cul de merde. Je sais pas ce que c'est, en fait. Attends, j'arrête de tirer pour pouvoir forer. Alors, mon petit Nestor, regarde où l'action se déroule sur la carte avec. D'accord, avec Céleste. Excellent, ces petits panneaux avec des petits cœurs. Là. Oh, Taïtaï, il y a un truc qui te suit là, fais gaffe. Et un autre boss, mais c'est rempli de boss ici. Hein. Pack à l'arme. Le pack à l'arme. Cyberglandouille détectée, vilain robot, il doit rêver de vieilles disquettes porno et ça. Bon, si 0 veut dire non, ça va pas vite, sinon je me réveille et je te fume. Que veut donc dire 1? Excellent. Voyons voir. Alors comment attends, on sur peut Select, tuer. Là, il m'a dit. D'accord, excellent. Non, maintenant on peut accéder au niveau. Donc, toujours à la old school. Hein. Donc, en fait, on a traversé tout ça. Là, il y a du cash. Bah, on voit donc, qu'on va encore vers la gauche. Ça sent pas un truc à la Fallout, là, le premier Fallout? C'est le truc avec les. Ah, comment ça s'appelait le. Ah, je sais plus. Ah, voilà, on va oublier. Le fail. On va failer sur le nom de l'appareil qu'on a sur le bras, là. Ça, je sais plus. Le pod. Je sais plus. Podcast. Non, c'est pas ça. Bon, bah voilà, lui, il putain, mais pas c'était quoi cette merde? Allez. Bah, ça, j'ai déjà eu aussi ce petit truc là pour remplir la pile. Pour foirer, hein. Et lui défoncer la gueule. Oh, là, et là, j'ai envie de dire Proton Cannon! Exactement.
Alors voilà ce que c'est de glander, hein. Tu t'en ramasses plein la gueule après. Ouais. Et maintenant tu vas aller bosser dans mon île. Hop là. Mais il a pas de bras. Attends. Attends, faut bien que j'aille par là. Oui, bah sûrement, hein. On va aller voir. Oh putain. Oula, il y a des pièges partout. Il est même plus dur que le boss en fait. J'ai hâte de voir le niveau 3 parce que ça promet, je pense. Parce que c'est chaud et taille. T'as eu chaud taille. Ah putain, faut bien gérer la puissance des sauts aussi des chauds. Ça commence à être chaud. Ah, c'est faux ou quoi? Ah, c'est pas parler moi, toi. Oh ouais. Oh, ok, cool. Baby. Bon bah, baby one more time, hein, j'ai envie de dire. Baby. Ouh. On va réussir à le finir ce niveau. C'est clair. Ah bah tiens. On peut passer par là, j'ai eu peur. Oh, et tiens. Pèse d'enfoiré. Oui. Et donc furonné de merde. Ouais, il m'a fait perdre presque la moitié de ma vie. C'est clair. Wallal, aïe aïe aïe. Wallal, aïe aïe aïe. Bon, c'est bon, lui. Oh putain, mais non, mais quel con. Ah, mais j'ai un réflexe, je sais pas, je dois... Ah, regarde, dès que un worm se crever. Bon, du coup, est-ce que ça a gardé en mémoire ce que j'avais ramassé en bas? Non, forcément, faut recommencer. Ah, mais j'aime bien c'est ce... le principe des... Ah. Des vieux jeux, bah, ouais, mais j'ai la gueule. Ah, je peux pas te foirer, d'accord. Je vais te foirer. Donc, tu disais, t'aimes bien le. Ah, le côté. J'aime bien le. Ah non, mais c'est ça le but des vidéos, c'est de dire la moitié. C'est de. C'est pour non, ça mais j'aime bien les vidéos à deux aussi, on finit les phrases de l'autre. J'aime bien ce côté, tu sais, bah, justement, old school, parce qu'au moins, c'est pas le côté kikou, quoi, du truc, quoi, des jeux de maintenant, quoi. Bon, d'ailleurs, ta vie, elle se régénère. Non, ma vie ne se régénère pas. Oh, c'est nul comme jeu. Non, ouh, c'est un problème. Moi, je peux plus vivre sans ma vie qui se régénère. Je comprends pas. Oui. Là, on peut pas buter ça. Là, faut faire gaffe au slam, là, ou je sais pas quoi. Hein? Ah, mais non, mais je l'ai à peine touché, là, les gars. Mais c'est vrai, là, c'est un peu abusé, j'avoue. Ah, faut faire vachement gaffe à ses sauts, alors. C'est précis, tout ça. Bon, toi, tu as arrêté. Bien joué. Voilà, plus tu fais, plus t'expert. Ouais, bah non, c'est le but. Non, surtout, plus je me tais, mieux je joue. Donc voilà, durant cette fin de vidéo, vous ne nous entendrez voilà. plus parler. On entend. Oh putain. Oh, taille. Putain. Et voilà. C'est la rage commence à monter. Rage. Ah, c'est parce que je veux tous les buter, en fait, c'est pour ça. Oui, donc. Voilà. Moi, je fais le jeu comme si j'y jouais vraiment, hein. C'est pas juste pour la vidéo. On pourra aller vite. Moi, quand je joue à un jeu, je bute tout. Je rase la zone. Et je ramasse toutes les pièces qu'on nomme Mario. Voilà. Parce que je pense que ça va me rapporter des pièces sur mon compte en banque. C'est clair. Putain, mais quel con, pourquoi je pars en arrière? Non, mais la roue, elle est. Dès que tu bouges un peu, hop là, elle part en vrille. Ouais, non, mais ça a l'air trop chaud. Là. J'ai eu un truc. Bon, allez. Dernier essai. Au. C'est bon, je vais buter. On s'en fout. De toute façon, à la limite. Putain, ouais, c'est. Ah, t'as peut-être bon. Des moyens de les gérer en fait que dans le coin, le petit coin. Oh, putain, l'enfoiré. Il t'en reste un troisième, ma fille, je crois. Ouais. Non, après c'est le. Le troisième, c'est ce truc-là. Pourquoi tout à l'heure je me suis mangé. On va attendre qu'il y ait bien la plateforme. Hop là, on va pas le toucher. Attends, il faut que tu sautes comment là? Elle est là, la plateforme. Ah, d'accord. Attention, là. Tu me fais peur. Putain, ça. Voilà. Putain, ça me stresse ce jeu là. C'est en train de me stresser. Oh la vache, mais t'arrives bientôt à la fin. Parce que... c'est... J'ai peur quoi. T'as peur toi? Non, non j'aime pas trop quand c'est un moment de stress comme ça. Voilà, c'est bon. Oh putain, non! Holy shit! Je suis deg, j'étais bien parti, j'aurais dû sauter direct. Hein. Bon, rabbit. Voilà, lui on s'en fout. Lui on s'en passe. Fout finalement. Oula. En fait, tu peux passer en bas. Ouais. Mais j'ai envie de les buter. C'est plus fort que moi, j'ai envie de les buter. Voilà. Excellent. Là, on va aller. Hein. Putain, c'est chaud ça. Ici, ah, pourquoi t'es mort tout à l'heure parce que t'as fait le même truc? Ouais, non, mais parce que je sais pas. Ils ont envie que tu crèves en fait. Non, mais j'ai à peine touché, je pensais que. Putain, il met du temps à se relever quand même. Ouais. En fait, ouais, t'as un truc. Du coup, hop là, voilà. ici, zone C, là-haut. Il y a un là-haut. Truc en bizarre, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a un truc à faire, là, dans l'écran. C'est obligé. Alors, attends, ici. Ok. Allez, vas-y, fourre.
pour moi tout ça. Alors ça, faut qu'on couche, je suppose. Ah merde, il va par-dessus, l'enfoiré. Voilà, on le met là. Les ennemis, ils sont très compliqués. Voilà, lui, on le bute, ça, on met ça là, et du coup... Oui, il y a un autre truc encore. Sont, le niveau est quand même vachement vaste, hein. La vache. Ouais, je trouve aussi, bon. C'est là. C'est un niveau alambiqué, voilà. J'ai envie de dire. Attends, parce que depuis tout à l'heure j'utilise ma méthode, mais je crois que j'ai un lance-missile aussi là. Oui. Oula. Ah, lui, je pense que ça tortue va. Tortue géniale. Ouais, tortue géniale là. Et puis en fait, c'est une tortue mixée avec. Putain, on peut pas le toucher. Non, faut que je le fore lui, je pense. Tu crois? Ouais. Forage impossible, cet ennemi en métal, t'es chier. Bon bah, on peut pas le forer, on va essayer. Si regarde, t'as un côté qui a éclaté, faut peut-être aller de l'autre côté pour lui D'accord, tirer dedans. Ouais, ouais, ouais. Pas con. Ah putain, je crois. Non, même là, pas. Là. Putain, non, c'est pas d'accord, j'ai compris. Ça. Voilà, faut le retourner, c'est enfoiré. Okay. Excellent. Ah merde. Allez, merde. C'est bon là, ça passe. Excellent. Comme une merde. Réduit à fumer de Roasted. Excellent. Roasted. Excellent. Ah, t'en as un autre là. Oh putain, celui-là, ouais. Oh putain, celui-là, il va être dur, je sens. C'est un truc de psychopathe ce jeu, hein. On est qu'au niveau 2, je vous le rappelle. Hein. C'est clair. Il y a combien de niveaux là-dedans? 10 Je sais pas. C'est une bonne question ça, mon petit poupouch. Aïe. Ah oh, mais quel con. Ouais, mais il a l'air. Non, là, je pense qu'on est au checkpoint, hein. Je pense pas qu'on se retape l'autre. Si, tu le retapes. Bon, remarque, il était pas très dur. Non, il était pas très dur. Tu... Non, non, une fois... non, c'est bon, là c'est ouvert. Ah, par contre, les ennemis respawnent là. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les ennemis doivent pas respawner, on les a déjà tués. C'est pas grave, ça fait de la thune en plus. Ah merde, les énigmes aussi non? Ah non, tu les as déjà fait. Non, c'est bon, c'est bon. Putain ouais, ça a l'air chaud à gérer la roue là. Ouais, parce que faut... Quand tu pars en arrière... Ah, j'ai l'impression que là, la sensibilité est... Enfin, elle est vachement forte. Lui c'est... Bon, ouh là j'ai, ouais, j'ai peur contre, que ça pète pas. Putain, y'a que de la plateforme, fait chier, j'aime pas ça. Ah c'est chaud hein. Parce qu'il faut que tu gères hop là, la plateforme, tir. Ton tir, plus les tirs de l'autre. Enfin, quoique. Oh. Oh putain, mais. Tu le touches, j'ai... t'es mort. Non, mais c'est surtout que je crois que j'ai pas beaucoup de vie. Attends. J'ai pas du tout de vie. Non, j'ai pas du tout de vie, donc on va aller par eux. Oh putain, y'a. Oh, mais c'est un truc de psychopathe. Oh la vache. Bon, attends. Là, ah, moi, c'est quoi, c'est un truc de vie, ça ou pas? Je sais pas. Oh, aïe aïe aïe. Ouais, moi je me plante là. Hein. Excellent. Ça, on dirait Terminator mixé. Attends, avec un gorille. On va faire à la bonne vieille plateforme, hein. Tu te mets dans un coin, tu... C'est clair. Tu trouves le truc ou... Oh putain, fais gaffe, il y a du truc. Con. En fait, non, faut le faire de... Aller dans les trucs verts. Regarde. Tiens, regarde. Voilà, bien. Oula, éviter quoi? Je ne sais pas. Ah, il faut que... Excellent. Ah, excellent. Ça peut pas aller plus vite. Non, je vais... Ce serait marrant. Pas. Oh, si ça va plus vite, j'ai l'impression. Et voilà. Je croyais que t'allais faire ton malin, il a coup. Ah. Oh. Et tiens. Et voilà. Excellent. Et on repasse bien derrière. Hop là, il est pas mort. Non, je crois qu'il est pas mort, revenez. Mais c'est vraiment excellent, quoi. C'est bourré de d'humour tout le temps. Ouais, c'était bien sûr, ouais, comme tu m'as dit, le petit clin d'œil à la, ouais. À la Terminator. Mais et d'ailleurs, il s'appelait comment? Je sais plus. Germinator. Non, je déconne. Encore une fois. Ouais, El Terminator. Ouais, ah, voilà. Moi, j'avais même pas fait gaffe au nom. Hop là. Excellent. Ici, je pense qu'on va arriver à la porte bloquée, peut-être. Là, non. Par mais contre... il est super grand le niveau. Par contre, le choix de musique. Ah, là, elle est là, la ouais. Porte bloquée. Donc, il faut qu'on en élimine encore deux. C'est donc, clair. On en a un là-bas. Il devrait y en avoir un autre dans le coin. Moi, j'aimerais bien une petite douche de sang là. Okay. Par contre, le choix de musique est intéressant, je trouve. Ils auraient pu mettre du rock, du métal ou un truc comme ça. Ouais. Ils ont préféré mettre une musique douce. Ouais, ouais, c'est clair. Excellent. Il y a le petit babe là. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, petit jambon? Je suis à poil, c'est bon, ça tient les prises sur la peau. J'ai que le mise pour des fringues. Excellent. Je suis pas à poil, non, ça suffit là. Ah, putain, j'ai pas vu les pics là, qu'il y a juste là. Ouais, là, là. Et du coup. Tiens, babe! Oh! Squeeze it! Petit jambon! Oh, un bouton d'acné! C'est comme les boutons d'acné, c'est dégueulasse! C'est crado! Ah, ici il y a le magasin! Enfin, on y arrive déjà! Excellent. Au magasin, on vous en a parlé tout à l'heure! Et on va voir si on peut claquer notre fric, on doit avoir pas mal de thunes là! 3000,
Ravitaillement de grenade, amélioration de la mitraillette, ouais. DJ Pimpin. Excellent, hein, DJ Pimpin. Ouais. Amélioration de missiles, oh, bah peut-être améliorer les missiles. Ah non, je veux un look. Non, je... Ah bah, bah attends, améliorer les missiles. La mitraillette, ouais, je vais montrer plus que les missiles, quoique les missiles de... Non, ouais, la mitraillette d'abord. Mitraillette, ouais. Voilà, merci pour la thune. Et... Alors, on a le chapeau d'aventurier, le casque de quarterback, le casque de cascadeur, perruque royale, casque as des haches, look canard, look donut. Oh, excellent, look barbare. Look ah, il est pas mal, moi je prendrais le casque de vétéran, tu vois. Ah, la coupe Justin Bieber. Babe, babe. On va prendre la petite coupe Justin Bieber. Coupe saut du lit. Voilà. On porte bien son et nom. On va mettre. Qu'est-ce que tu voulais mettre comme roue, toi? La roue donut. Bah, ouais, 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 de toute façon, faut aller. Le style. Ouais, c'est clair. Baby, baby. Alors, on va aller voir ce que ça donne, tout ça. Merci pour la thune. Excellent. Oh oui. Alors, on va finir la vidéo comme ça. On dirait un Justin énervé. Quoi? J'ai vendu que deux albums. Je vais être vénère maintenant. Bon, c'est allez, on va aller tuer le dernier boss. Hop là, si on va par là, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Parce qu'on a toujours pas de vie, hein, on fait les malins, mais... Ouais, oui. C'est là qu'il y a le boss. Non, mais on a la coupe. Avec la coupe, on peut tout faire. On a pas de vie, mais on a la coupe. Et on a le donut. Et tu peux pas tester. Ouh, un donut. Ouh là 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 là. Bon, allez, on va. Ouais, c'est bon là, c'est bon, regarde. Version PGM, des jeux d'arcade. Oh, bah, de toute façon, y'a pas de pic. Bah voilà, tu restes là, tu fais pas chier. Ouais, t'es un peu trop près là, non? Ah non, c'est que. Bon, c'est bon, c'est bon. Ça passe. Attends, R1. Alors, R1. Ah merde, pfff, je me gourde déjà. Ah merde, mais caco. Le temps que je lise. Excellent. Bon bah c'est pas grave, y'aura pas de finish move. Ouais mais en fait je trouve que quand t'as trouvé la technique après c'est ça passe pépère. Parce que tu sais on galérait Ouais c'est clair. Attends il en manque un encore. Bah c'est celui-là. Ah mais babe c'était pas un... C'était pas un boss alors. Bah quand tu loupes les finish moves, tu loupes mais il meurt quand même. Ou il est toujours vivant. Ah non il est toujours vivant ce que j'entends. Tu crois? Moi je sais pas. Je ne saurais dire. Peut-être pas tué, ouais. Bon, on va retourner. Je te remarque qu'il faut peut-être un finish move pour spécialement les tuer, ouais, je sais bah pas. On va retourner, il doit être là, alors encore. Je trouve bizarre aussi. Ouais, parce que voir. Là, on a, je pense que la fin du. Ah bah oui, rien. Oui. Ils ont remis le truc. Ouais, ouais, il est là, d'accord. Donc il faut bien faire le finish move pour l'avoir. Ouais, dai dai, c'est quoi ces galettes? Ouais, on va. Tape ta galette. Tape ta. Oh non, 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 non. Mais non, ouais, là, c'est risqué la OT. Voilà. Tu tires et tu te laisses guider. Oh! Non, c'est bon, non, c'est bon, ça passe. Non, ça passe, la clepsydre! Putain, merde, on peut pas passer au travers. Vas-y, c'est bon là. Tu restes là et. Bon. Voilà, voilà, alors. Croix. Croix, trio. Oh putain! Ah, il fallait juste. Les faire. Ah, bah, j'ai réussi à lancer juste un. Excellent! Excellent! Bye bye. C'est un petit pas pour l'âme, mais un grand pas pour l'humanité. Et un gros bouton pour l'humanité. Alors... Bon bah je pense qu'on a fini le niveau 3. Le niveau 2 là. J'ai l'impression que c'est un niveau 3 tellement c'était dur. C'est... Yeah, voilà, je pense que c'est la fin du niveau. Ouais, je pense on va voir quelle gueule a le niveau 3. Musique d'ambiance. Là, là. Oui, c'est pour ça que là, j'ai que ce top. Quand est-ce qu'on arrive à ce niveau? Voilà, là c'est ah, Castlevania, je suis sûr qu'il y a un petit clin d'œil. Il va y avoir un petit clin d'œil à Castlevania dans ce niveau. C'est obligé. S'ils l'ont pas fait, je trouve ça bizarre. Oh, ça fait peur, mais c'est bien pour notre petit Halloween show, ça. Ouais. Ah, j'ai juste envie de voir. Le boss. Un des boss. Premier boss, et puis après, on va se laisser là-dessus. Hein. Vous en avez peut-être marre de nous voir fêler à mort là. Et de nous entendre comme des cons quoi. Attends. Surtout de nous voir mourir sans arrêt. C'est vrai mais que c'est un jeu c'est un peu exigeant bon. Aussi dans le maniement. Oh putain. Oh les stock guillés peut-être. Oui bon, je me laisse. Vas-y, vas-y. Et là, boum, fail. Alors monsieur tout, monsieur. Monsieur. Ouais. Wesh gros. Laissez votre jackpot ici et sans aller de préférence, les armes ne sont pas admises dans la prison. Vos règles, vous en souvenez. Ah merde. Quoi? Pas moyen. Tu as un... Et pas sans rien, on n'aurait pas...
Sérieux, faut que je laisse tout là. Donc on va se retrouver à Pana. Hein? Notre petite Justine là, il est sans armes, sans rien. Et si on lui donne une chaîne pour se battre, ça c'est marrant. Castlevania. Ah ouais, carrément. Bah là déjà, il y a plein de chaînes partout. Non mais regarde ça. Non, c'est excellent. Hein. Regarde les petites animations des chaînes et tout. Excellent. Voilà, ça fait un peu... sortie de boîte là, t'as gerbé tous les, c'est les couleurs sur l'écran, mais c'est quand même super fluide et tout, c'est vachement beau. C'est clair. Les petits draps là qui bougent. Ambiance et tout, gothique. Ah ouais, du coup, j'évite les ennemis quoi. Parce que j'ai rien pour leur. Oh putain, tu peux pas les taper? Non. Sérieux? Non, j'ai pas d'armes, j'ai rien. Oh chaud! Alors attends. Hop là. C'était par dessus quoi. Ouais, c'était pas. Ouais, tu vois, j'ai rien du tout. Ah bah voilà. Merci, t'es genre sympa de... encore toi, mais comment tu fais? Si tu m'attendais encore un truc, je. Le but, non je vais vous montrer comment sauter sur les murs. Ah voilà, le fameux wall jump, je trouvais bizarre qu'il n'y en avait pas encore. Je vais faire double saut près d'un mur et bim, je deviens Yamakasi. La touche de saut, il faut masser sur la touche de saut, ok. Enfoncer, piger, je suis pas débile, tu sais. D'ailleurs, sa tronche me fait penser à une poupée gonflable. Par contre, moi je suis débile parce que j'arrive pas à le faire. Attends, mais par contre, là je peux peut-être pas avoir le... Bon. Faut vraiment que je sois là. Non, là. C'est sur ça, ouais. Excellent. Bah si, bah là, je devrais pouvoir le faire, là. Ouais, mais je sais pas, en vrai, il y a des trucs qui te gênent. Regarde, ça dresse collé. Ouais. Ah non. C'est bon, c'est... j'avais mal pris le... au pixel près, hein. Hop là, c'est bon. Ah oh. Ouh là, super chaud, ça, c'est quoi, hein, cette ambiance gothique pirate, là? C'est une cassance, moi, hein. Oh. C'est pire des carrés. Oh, putain, j'ai cru que c'était un c'est boss en arrière. Ça, non, bah je pense pas, non. Attends. Ah oh, si, bah. C'est bon. Oh, mais il est tout mignon, Mylène! Mylène mi-fourrure! Excellent. Je veux trouver un kebab. Excellent, garde. J'ai... Allumez les spots! Bien, allez. Ça me protège de goujats comme vous. Bon, on va devoir éviter tout ça, ça va être super chaud. Putain. J'adore ces monstres qui disent comment les battre. Les lance-flammes, ils sont où? Alors, attends. Oh, à mon avis, les trucs bleus vont... Alors, petite envie de mes Chouix. là, faut que je monte... La gauche, non? Ou peut-être... Oh, c'est quoi ce bord? Oh, la vache. D'accord, what the fuck? Comment je fais, là, par contre, ouais. What the fuck? Alors, attends. What the fuck? Alors, petite envie de mes Chouix, ok. Par contre, ça va être chaud. Ah, bah, voilà. On va passer par le bord. C'était tout simple. Ah, bah, voilà, double saut. J'ai l'impression que... Non, je croyais qu'il fallait éviter les trucs bleus, mais en fait, non, pas du tout. Là, ça va être chaud. Ah, je déteste ce jeu quand il faut réfléchir. Ah, d'accord, il y a la lumière, là. Il faut éviter ça. C'était ça qui t'a repéré tout à l'heure? Ouais, je pense, ouais. J'avais pas fait gaffe. Faut éviter les lumières. Elle est où, à gauche, elle, ou à droite? Je sais plus. Je sais plus. Bon, attends, on va aller récupérer les pièces, là. Ouf, chaud. Joli. Ça me fait trop penser à Castlevania malgré les graphismes, tu vois. Là. Putain, mais. Je pense que c'est. Ouais, t'as que ce moyen-là pour aller en haut. J'ai l'impression que ça sert. Putain, mais je vais réussir à sauter là, mais c'est pas possible. Oh, l'handicapé là. Baby, baby, ouh. Putain, mais oui, il faut faire un double saut, mais quel con. Ouais, vu que t'as la coupe, faut que tu vomisses aussi. Ah putain, mais. J'ai l'impression que ça s'arrête. Ouais, ça s'arrête au bout d'un moment. Ouais, non, c'est mort. Donc on va pas passer par là. On passe par là et en faisant des doubles sauts, merci. Double. Bon. Et là non plus. Oh, bien joué là. Merci. Bah non, tu putain, t'arrêtes. Mais pourquoi ça s'arrête hein? Tu peux pas. Non, ça veut pas là. Hein. Tu vas être obligé d'aller là. Ouais. Je suis obligé d'aller là où j'étais tout à l'heure. Ou même là. C'est par où? C'est par là. Hein. Ah, voilà, c'est la lumière qui nous a repéré tout à l'heure. Ça fait... Ouais, c'est ambiance Castlevania et Pirates des Caraïbes. Les fantômes. Fantômes pirates. Oh, il est là, le babe. Ah merde, oh, oui. Putain, mais je forcément. Peux pas toucher, donc il faut que je trouve... Lance-flamme. Ou à moins que tu te fais avoir par la lumière, tu cours, et tu lances... Quand tu te fais repérer par la lumière, tu t'arrêtes. Ah merde. Je sais pas si on peut amener la lumière jusqu'à lui. Peut-on amener la lumière jusqu'à lui? Ah bah par tiens. Contre, ça, oui. Ah non. Merde. C'est bizarre ça. Il est dit de le cramer, mais est-ce qu'on peut prendre un canon? On va ouais, il faut monter tout en haut. Forcément, on va monter en bas.
C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Tout à fait, Thierry. Ah non, merde, il est mort. Non, bon. Ah oui, à gauche. Ouh, qu'est-ce qu'on fout là? D'accord. Et c'est tout? Et donc, là, qu'est-ce que je fais là? Et les lance-flammes vont. Non, ils, vont non, ils s'arrêtent là. Oh putain. Tu veux passer de l'autre côté? Ouais. Ah bah tiens. Ah voilà, ils sont là. Putain, mais quel trou de balle alors? Oh putain, et 3 heures pour trouver le truc. Ah, des fois c'est pas si évident. Touche, là. Voilà, pas comme ça. Oh, quel con, putain. Ah, mais c'est chaud. Ah, non. Non, pas, ça passe pas. Putain. Bon, c'est bon, ça y est, on a compris. Ah, on y retourne. On va pas pouvoir le lâcher, ce allié Wrath of the Rabbit, hein, la fureur du lapin. Wrath of the Rabbit. Putain, c'est si simple. Pourquoi on était parti dans des trucs. Je sais pas. Parce que les niveaux tellement vastes alors que la solution est tellement près. Voilà. C'est fait exprès. Mais par contre, ça va être chaud d'attirer les. Non, c'est pas chaud du tout. Bah, oh, t'as vu sa vie? Oh la vache, ouais. Bah, ça va être super chaud par rapport à ma vie à moi. Parce que surtout que je saute comme un débile mental là. Ouais, mais c'est la coupe. Ouais, voilà, c'est la coupe, c'est ça. Ah, en fait, enfin, non, il faut que je saute de l'autre côté. Et tu vas là, ouais. Non, ou ouais, ou que et tu retournes ainsi de suite, tu ouais, tournes. On va se le faire et on finira la vidéo là-dessus sur un bon méchoui. Il n'y a rien de tel pour finir une vidéo, un bon méchoui. C'est clair. Ça me donne faim. Oh, non. Bon, d'accord. Faut vraiment pas aller dans la lumière. Ne va pas dans la lumière. Fatality. Ne va pas vers le tunnel. Ne va pas vers le tunnel. On peut y aller par là. C'est compliqué quand on peut faire ça. Putain la vache, hé. Putain, pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça? Ouais, ou tu ramènes les trucs et dès qu'ils sont vers toi, tu redescends. Parce que tout à l'heure, c'est resté bloqué quand même sur le. C'était un beau fail ça quand même, hein, de faire tout le niveau alors que le truc il est juste à côté. Oh putain de merde! Ah putain. Par contre, là ils sont au taquet, mais non, j'ai l'impression. Ah, c'est vraiment un bon jeu de plateforme, il faut. Faut pas louper ces sauts genre ça. Oh. Ouais, mais là c'est mort. Ouais, c'est chaud. Je vais mourir comme ça au moins on va recommencer avec notre vie. Allez. Ah, mais c'est chaud time. Ah, ça y est, on est à fond dedans là et. On arrête de parler. C'est clair. Ah putain, ça va être chaud. Oh, t'as fait un joli. Attends, c'était quoi? Ah, mais c'était jeu. Allez. Bah, je suis toujours là, les gars. Non, ah bon, putain, faut que tu fasses ça au moins 4-5 fois. Voilà, faut pas que je fasse les sauts. Oh, non, c'est bon, encore une fois. Voilà, putain, je gère les sauts là maintenant. Excellent. Nickel. Ah merde. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah, quel con. Non, c'est bon, ça passe. Excellent. Donc ouais, on est revenu quand même sur. On revient sur, quand même sur des petites fatalités. Ouais, déjà vu. Oh là, c'est quoi ce fantôme? Est-ce que tu peux le récupérer? Non, c'est pour dire qu'il était là. Ah d'accord. Il était là. Et toi aussi. Et moi aussi. Excellent. Donc voilà, bon, vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce allié. La vengeance du lapin mort. Ouh. Pour ce Halloween show, on espère que le jeu vous a plu, que le gameplay vous a plu aussi, que vous êtes bien foutu de notre gueule quand on galérait. Ah oui, c'est clair, c'est ça qui est bon. Ou alors que là, on a passé 5 plombes à trouver un petit mouton qui était juste à côté. À tourner en rond et en rond. Et on vous dit à très vite, n'hésitez pas à rester sur la Cheetah Family, il y aura d'autres Halloween shows, déjà avec Aldo. Ouais. Lucio aussi, je crois qu'il va faire une vidéo spéciale Halloween. Lucio. Je sais plus si tout le monde le fait. Si sûrement Bulldo aussi qui, en fait. Collins qui fait, il y a. Bah en fait, tout le monde, j'ai envie de le. Tout le monde fait, donc il y a. Il y a intérêt faire. Que tout le monde le fasse. Non, je sais. Cette année, la CTF est aux couleurs d'Halloween, hein, même si ça marche pas trop en France. Sur la oui, CTF, non, ça fonctionne. C'est clair. Du coup, du moins, ça nous donne l'occasion hein, de vous présenter ce L.I.A. L.I.A. Voilà, j'ai arrêté de dire le titre. L.I.A. La vengeance du lapin mort. Et quoi? Pamplemousse. Ah d'accord, oui, je me disais aussi, je serais bizarre qu'il n'ait pas placé encore. Et on vous dit à très c'est vite, clair. Ciao. 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 A plus. Baby, ouh.